et on va renommer fichier. On va faire def renom fichier. Ça va renommer le fichier. Nous, ce qu'on veut faire, d'abord, on va importer la ressource OS parce que dans l'exercice, il nous dit qu'on va utiliser OS rename. On importe OS d'abord. On fait import OS. Puis ici, on va utiliser ça. On va dire rename test1.txt. On va nommer en changer. Texte. On va dire que on va changer le nom en fait. On va mettre à changer. À changer.txt. Test 1 que vous voyez ici. On va changer son nom. Puis return. On va l'appeler renom fichier. Voyons si cela fonctionne. Vous voyez bien, il y a test 1 qui est écrit ici. On va voir s'il va changer le nom. Vous voyez, il a changé de nom. Il est devenu achanger.txt. Vous voyez que test 1 a disparu. Et que c'est achanger.txt qui est apparu. C'est-à-dire que notre programme fonctionne. Nous allons recréer test 1 et vous allez voir. Test 1. Test 1 vient d'apparaître. On va effacer celui-là. On va effacer. Voici test 1 et on va donner un autre nom. On va l'appeler. Test Delta. Vous voyez bien le nom test delta ou t delta t delta et quand je vais faire entrer le fichier va changer. Vous allez voir que test 1 ici va disparaître et que t delta va apparaître. Pam, t delta est apparu, test 1 a disparu. C'est ainsi qu'on renomme un fichier. Et si on voulait mettre un fichier qui est ailleurs, il faut seulement mettre le chemin d'accès à ce fichier ici. On met le chemin d'accès, on met le nom du fichier et on met le même chemin d'accès et on met ce nom-là. Donc ça va aller dans ce jusqu'à ce fichier et le remplacer par lui, par ce nom-là. Venons de finir l'exercice 3.